Enfin, voilà la sœur de Debodo Lukunfa qui a tout déversé sur un plateau de télé. Voilà la sœur de Debodo Lukunfa, Vital, qui a décidé de tout déballer sur ce gars. Elle explique sur ce plateau que toute la carrière de Debodo Lukunfa n'a été que des plagiats, des vols, des photocopies, des remixes des chansons des gens. J'espère que vous n'allez pas venir ici dire que c'est nous qui avons monté Vital, la sœur de Debodo, de venir dire ça sur le plateau. C'est sa sœur. Et là, voilà qui déballe tout. À partir de ce moment, le débat est clos. On n'a plus rien à ajouter là-dessus. Voilà. Parce que si c'est nous qui parlons, vous allez dire, oh, vous avez la haine contre lui. Voilà sa sœur qui verse tout au carré fou. Quand on vous dit que la carrière de ce monsieur, ce n'est que le plagiat, le vol, la photocopie, les remixes des chansons des gens, vous croyez que c'est la blague. En tout cas, écoutez Vital. Mais avant, les gars, likez d'abord cette vidéo. Likez à outrance. Les likes sont gratuits. Quand vous likez la vidéo, ça propulse. Ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube. Vous voyez, non? Cliquez aussi sur s'abonner pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. Actuellement, sur les réseaux sociaux, celui qui n'est pas abonné sur cette page perd en abscisse et en ordonnée. Oui. Il y a une semaine, tu as fait cette publication dans laquelle tu dis je vois plusieurs commentaires qui disent que je n'ai pas posté le clip de Debodo Lukunfa. J'ai toujours posté les clips et soutenu mes frères et sœurs artistes qui me soutiennent en retour. Ok, je vous informe que Debodo et moi, il y a un gros rembat qui date que je n'ai pas encore digéré. Je ne suis pas hypocrite et je n'aime pas faire semblant. Peut-être que lui, il fera semblant d'oublier, mais moi, non. Le boss Mola est témoin. Quand Faro est témoin. Jeff le Béninois est témoin. Jusque-là, j'avais de l'admiration et un grand respect pour Debodo jusqu'à ce qu'il me déçoive. Debodo est et reste une légende, un grand de la musique ivoirienne et africaine. Mes félicitations encore, grand frère, pour la dot de Djeniba Djaba. Mais on doit régler notre rambala. Tu me dois. C'est quoi ce rambala, Vital? Donc, je te promets sur ma page. Ah, mais c'est quoi même dans ton esprit? Oui, c'est vrai. Vous savez tout ce que moi je sors sur mes différents réseaux. Ce n'est pas des inventions, c'est vrai. Il y a eu un souci, un gros souci. Et je ne voulais pas en parler, mais j'ai gardé ça de mon cœur. Parce qu'il ne s'est pas excusé et c'est resté comme ça. Et comme j'ai bien cité, le boss Mola est très bien témoin. Quand il Faro également, et puis Jeff le Béninois. Voilà. En fait, c'était dans les années 2015-2016. Je faisais une chanson au studio David Segon avec Didier Léo. Le titre, c'était « Ça mange pas du riz ». Et on a passé 2 à 3 jours dans le studio David Segon en train de chercher une danse. Et Didier Léo et moi, on a tellement cherché, et on a fini par trouver la danse qu'aujourd'hui, Debodo appelle l'enfant gâté. Et c'est moi qui ai sorti la danse. Quand j'ai sorti la danse, j'ai même fait la dédicace à Yopougon, dans l'une des boîtes à la rue Princesse. Mola était parrain avec M. Manaragoui. Vous avez trouvé la danse à sa présence? C'est-à-dire qu'il était là quand vous avez fait la danse? Debodo? Non, d'accord. Jamais. D'accord. C'était Didier Léo, moi et Avi Second, tous les trois au studio. D'accord. 3 jours de recherche. Donc on a fait la dédicace pour pas que les gens volent la danse. C'était dans une période où, quand tu sors une danse que l'autre copie, ça devenait des histoires. Donc on voulait pas qu'on voit, donc pour ça il fallait confier d'abord, faire la démo sur Uvamis, sur Hit de Babi, et puis il a fait la dédicace, on a tout filmé et tout. Et le lendemain, je devais me rendre à San Pedro, et ensuite partir en France pour 2 mois. Voilà où ça m'a un peu, je vais dire, ça a été à ma défaveur, ce côté de voyage en France là. Quand on partait le lendemain à San Pedro, Debodo ne m'a jamais appelé. Et j'étais dans la voiture avec quand on partait à l'aéroport, et mon téléphone sonne. Je connais pas le numéro, je décroche, je mets sur le haut-parleur, il dit c'est au pas la nation. J'ai dit au pas la nation, il dit c'est Debodo. J'ai dit ah c'est comment? Il dit, ah, excuse-moi, oh, j'ai vu une de tes danses. Parce que je dansais avec une, c'est dansé avec Kobe. Kobe, ouais. Voilà, il dansait avec moi en ce temps. J'ai vu une de tes danses là, ça me plaît. Et je suis en studio actuellement, il y a fait une chanson, l'enfant gâté, mais il n'y a pas de danse pour mettre dessus. Est-ce que je peux utiliser ta danse pour mettre sur l'enfant gâté? J'ai dit, ah, viens, tu sais qu'actuellement là, quand tu prends la danse de quelqu'un là, si tu ne fais pas une vidéo pour dire je soutiens telle personne dans son concept, ça devient bizarre après. Il dit, non, t'inquiète, si tu veux faire une vidéo même pour dire que ah, la danse, c'est la danse de Vita, je la soutiens et tout. Il dit, ok, ils sont partis à San Pedro. 2 jours après, je l'appelle, mais je n'ai pas revu la vidéo. Il dit non, ça vient pas. Je reviens sur Abidjan. Je dois m'apprêter à parler en France. J'appelle Debodo encore. Il dit non, t'inquiète, ça vient. J'appelle Mola. Il dit ah, le vieux, voilà le problème. Debodo était tourné depuis là. Mais j'ai appris qu'il est en train de tourner clip. Donc appelle-le pour qu'il fasse ma vidéo rapidement. Je n'aime pas que les Ivoiriens m'insultent. Parce que moi, je suis en début de carrière. Lui, il est connu que moi. Donc si moi, je sors après, ils vont dire je voulais ça. Alors que c'est ma danse. Mola dit t'inquiète, je vais gérer ça. Je suis parti en France. J'ai même encore fait une prestation sur la démonstration de la danse dans une grande boîte en France là-bas. Tout ça. Pour laisser des traces. Je suis là-bas, je regarde la télé. Oh. Ça passe sur une grande chaîne que vous connaissez là. Le clip est en train de passer, voilà ma danse. Et toujours pas de vidéo. Ça m'a fait tellement mal. Moi, j'ai pas retenu mon clip. On était en préparation, je suis parti en Europe. Donc, je reviens, on appelle encore Debodo. Il nous fait comme ça. On se déplace maintenant pour aller chez lui à la maison. Quand t'es moi et un assistant, on arrive chez Debodo, il était là, c'est danseur, il était là. On explique le problème. On dit, mais voilà, c'est déjà arrivé, t'as déjà fait ton clip. Moi, j'ai fait mon clip. On fait comment? Il dit, non, c'est déjà fait, c'est déjà lancé. Il dit, mais lui, fait des vidéos. Il ne veut faire des vidéos comment? Il dit non, s'il fait vidéo encore, ça va casser lui son rythme. Il dit, mais casser ton rythme, c'est ma danse, tu as pris. Moi, je suis venu faire mon clip maintenant, t'es déjà sorti. Si moi, je sors derrière toi, c'est comme si j'ai volé ta danse. Il dit non, laisse en gérer. Ou bien, retourne au studio, fais un autre son.
Ah oui, il me l'a dit. Ou bien retourne au studio, va faire. Quand Farouk vit encore, Mola vit encore. Déjà le Benoît où il intervient, je ne sais pas s'il habitait le même immeuble que lui. On a commencé à faire échange de langage. Donc on criait tellement. Et puis Jeff est venu frapper à la porte, il est rentré. Il est venu tomber sur Samuel, expliquer, il a commencé à nous séparer. Et tout fâché, nous on est parti. Debodo n'a jamais fait de vidéo jusqu'à aujourd'hui et c'est resté comme ça. Quand on se voit, on se salue pas, on se dépasse. Donc j'ai gardé ça en moi. Parce qu'il a fait que je suis retourné encore au studio. Pour faire autre chose, c'est de l'argent qu'on dépense quand on va en studio. Il a tissé son concert, non, je passe tous. Peut-être qu'il ne peut pas studio, mais moi je paye studio. Je paye tout. Vous comprenez un peu le truc? Donc voilà un peu le blême. Mais comme on parle de solidarité ivoirienne, je suis une ivoirienne. Donc il fallait que je le soutienne aussi. Voilà. Vous confirmez, non? Vous avez compris ce que la sœur de Debodo dit, non? Vous comprenez que tout ce que nous racontons là, on n'invente rien. Rien n'est nouveau sur le soleil. Ce arrogant de Bordeaux, le Kounfa, ne veut pas reconnaître sa place. Oui, il ne veut pas reconnaître sa place. Didier Arafat avait déjà dit avant de partir. Didier Arafat était un visionnaire. Il avait vu à distance. Tu comprenais pourquoi ce monsieur était toujours en guerre avec Didier Arafat? Parce que Didier Arafat n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ça. Et en plus, il est arrogant, un voleur arrogant. Arrogant. Il montre toujours qu'il est ce qu'il n'est pas. Il est arrogant à nul autre pareil. C'est un sans talent. Tout ce qu'il raconte, même les beats à la guitare, tous les beats de ses chansons, les danses, tout ça, ce n'est que la création des autres. Il est débordé le Kounfa aujourd'hui, grâce aux autres, toujours grâce aux chansons des autres. Il ne veut pas créer, c'est un paresseux. Il ne veut pas créer. Hein? Vraiment, il doit demander officiellement pardon à Prince Aimé. Ce n'est que ça que nous attendons. Il doit raconter tout ce qu'il raconte là. Je viens de regarder une interview sur Brut où il disait qu'il ne doit jamais abandonner Vivienne. Que vraiment il n'a pas envie d'abandonner, que c'est comme ça un envoyé de Dieu, que Dieu l'a envoyé sauver la vie de Prince Aimé, comme si Prince Aimé rampait. Prince Aimé ne rampe pas. Même toi-même de Bordeaux, tu es un locataire en Côte d'Ivoire, tu veux sauver la vie de quelqu'un, hein? Dans ton propre pays, tu es locataire. Depuis les décennies que tu es chanteur, tu n'as jamais réalisé un truc qu'on a vu, hein? Tu n'es jamais sorti de la Côte d'Ivoire, on a vu rien que le tapage que tu fais là, le bruit. Pourquoi tu ne fais pas ça sur les chansons ivoiriennes, hein? Pourquoi tu ne prends pas une chanson ivoirienne et tu fais le remix de ça et tu viens tenir tête comme tu tiens tête là? Pourquoi tu ne le fais pas? En plus, on t'interdit, Viviane, mais tu insistes. Tu insistes. Parce que tu as vu que ça t'a lancé la carrière. Depuis, on ne parlait plus de toi. Dis-moi, tu as fait quel buzz depuis que Didier Arafat est parti? Après le départ de Didier Arafat. Donc, je ne sais pas, ta carrière est restée en stand-by jusqu'à aujourd'hui. Viviane a révélé ta carrière. Au contraire, tu dois remercier Viviane. Tu dois remercier Prince Aimé d'avoir sorti cette chanson. Tu vois? Voilà, tu t'es servi de ça pour devenir Debodo le Kounfa. Voilà que tu as sorti Djeneba, en un clic, ça a explosé grâce à Prince Aimé. Il faut respecter les Camerounais. Il faut respecter les Camerounais. Le respect est mutuel. Comment te respecter là? Il faut respecter les gens. Tant que tu n'acceptes pas, on ne doit pas te laisser en paix. Malgré le fait que tu te promènes partout, tu racontes aux gens que non, tu ne dois jamais laisser Viviane. Tu dois laisser Viviane. Coûte que vaille. Ou à défaut, tu entres par la grande porte. Tu dois signer le contrat là pour pouvoir toucher encore à la chanson Viviane. Ou à défaut, tu laisses. Tu laisses. Voilà. Tu ne peux pas te comparer à ceux qui encadrent Prince Aimé actuellement. Tous sont des propriétaires. Je ne veux pas parler de Malos, qui est triple voie, quadruple propriétaire au Cameroun. Des entreprises et des immeubles. Chaque immeuble est accompagné de piscines. Tu vois un peu? J'espère que tu as capté. Hein? Monsieur Wasde, je ne veux pas te parler de lui. Il a assez de moyens. Donc, aide tes frères ivoiriens. Il y a beaucoup d'artistes ivoiriens là que tu dois aider. Il y a Didier Congélateur. Ils sont très nombreux. Il faut les aider. Il faut nous laisser avec ça. On ne veut plus de toi sur Viviane. Fais ça ailleurs. Les gars, c'était Kevin, faut pas. Ça finit pas. Je suis le seul artiste ivoirien qui s'élève et puis qui attaque une nation à lui seul, sans avoir peur. Plus de 9 millions de vues, 9,5 millions en tout cas la dernière fois que je regardais, mais ça va tellement vite. Là tu regardes en même temps. Et puis je sais pas si c'est vrai, là on est avec toi donc à profiter pour te demander. On a vu un remix de Viviane qui est sorti en audio sur ce qui semble être ta page YouTube. Mais quand on voit pas forcément, il faut taper, il faut avoir un link. Est-ce que tu nous assures déjà que c'est toi qui l'as posté sur tes réseaux, enfin sur ton YouTube? Alors pour être vrai, on a voulu envoyer un message à ceux qui sont autour de mon ami Prince Aimé. Ok. Prince Aimé, c'est mon frère. Il reste, c'est là mon frère. J'ai été mandaté pour aider ce monsieur. Ok. Mandaté par Dieu. Ok. Pour changer la vie de mon frère. Pas changer, mais Dieu va changer. Va changer. Tout en passant au travers de toi. Ouais. Au toi là, au travers de moi, merci. D'essayer d'aider le monsieur. Parce que le gars était là-bas dans une souffrance obscure. Il est dans une obscurité qui n'en dit pas son nom. Qui s'agrippe aujourd'hui. Et non, ils ne comprennent rien. C'est-à-dire, ils veulent me détacher de ma mission, en fait. Mais moi, je reste optimiste et concentré sur ce que j'ai à faire. Voilà comment, quand ils ont sorti le remix des 5 grosses têtes, le remix des 5 Yakuba, des 5 Titanic, des 5 basiliques sur le coup des gens, j'ai dit, ok, il n'y a pas de soucis. On va faire un petit truc. On fait une démonstration de force, un test de soumission et de domination.
Ok. Voilà comment on lance automatiquement, Viviane, de façon exprès. Mm-hmm. Automatiquement, moins d'un jour, on a un million. Et ça, c'est sans promo. C'est-à-dire que c'est sans annoncer. Sans annoncer quelque chose. Sans partager. Sans partager. Ok. Pour dire que l'aura qui est sur des Bordeaux est tellement puissante qu'il se calme. Mm-hmm. Celui que Dieu a mandaté, ne vous interposez pas. Mm-hmm. Faites gaffe. Mm-hmm. Et après, j'ai enlevé. Ok. Donc, tu as été retiré. Ça n'a pas, ça a été. J'ai retiré. Enfin, tu as retiré. Mm-hmm. Ok. D'accord. Ça marche. Donc, c'était juste. Ok. Tu es un peu bêté. Tu es voilà. Bêté formé. Parce que quand je sortais Guénéba, mm-hmm. quand j'ai sorti Guénéba, mm-hmm. j'ai commencé à faire. Oh, Guénéba. J'ai essayé de brouiller un peu les gens. Mm-hmm. Je n'ai pas parlé. Mm-hmm. Et ils ont envoyé pour eux. Mm-hmm. Moi, je ne voyais pas après ces mille. Plein semaine, c'est mon gars. Mm-hmm. Il devient mon gars. Mm-hmm. Mais les Akoto Yao, là, les bébés Satan, là, les Satanos, là, mm-hmm. là, j'ai arrivé. Il ne faut pas qu'ils vont se presser. Mm-hmm. C'est que mon palabre, là, ça ne finit pas. Je suis le seul artiste ivoirien qui s'est là depuis qui attaque une nation à lui seul, mm-hmm. sans avoir peur. Mm-hmm. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Mm-hmm. Mais on ne va pas attaquer le Cameroun. Mm-hmm. Mais les éléments qui sont autour de Prince Aimé, qui mm-hmm. empêchent, qui m'empêchent de mener à bien cette mission, qui m'a été attribuée par Dieu, ceux-là vont payer les conséquences. Mm-hmm. Il faut qu'ils soient prêts. Mm-hmm. Parce que quand j'ai démarré, senti ça. Tu vas voilà comment mm-hmm. j'ai lancé un peu pour tester, mm-hmm. pour voir un peu ma force de frappe, mm-hmm. pour voir un peu comment Dieu se manifeste mm-hmm. directement en un jour, un million. Mm-hmm. Sans promotion. En audio. Et sans partage. Sans promotion, sans mm-hmm. partage. Mm-hmm. Retire le truc, j'appelle mes éditeurs et distributeurs, enlevez. Mm-hmm. Ok. Voilà. Mais